Sin, ciao les amis, aujourd'hui 18e jour de l'aventure réveil à Condao. Je suis confortablement installé dans un café, je suis en train de faire un petit peu de montage, j'essaie de rattraper un petit peu mon retard. Alors hier je vous avais dit je ne sais pas si je vais filmer. Bon, j'ai décidé de filmer mais je ne sais toujours pas si ça sera vraiment intéressant ou pas. En fait l'interrogation c'est le bateau que je vais prendre ce matin. Je ne sais pas si c'est complètement fermé, peut-être que j'aurai juste un petit hublot avec une petite vue sur la mer, ou je ne sais pas si c'est ouvert, ça sera plus intéressant, je pourrais me balader sur le bateau et vous faire quelques plans. Je ne sais pas du tout, ça va être un peu la surprise. Donc oui, aujourd'hui je quitte Condao, je prends le bateau et je prends la direction de Sok Trang. Alors je le prononce vraiment la française, Sok Trang, ça doit être Sok Chang, peut-être quelque chose comme ça. C'est une ville qui se trouve donc dans le sud du delta du Mekong. Je n'y suis jamais allé, j'ai hâte de découvrir cette ville. Alors le bateau va pas directement dans la ville, en fait il s'arrête au port qui est quand même je crois à quelques kilomètres de la ville de Sok Trang. Mais bon, ça m'inquiète pas, vous savez on est au Vietnam, tout ce qui est transport, déplacement c'est très bien organisé ici. Donc depuis le port je devrais trouver facilement un véhicule pour aller donc dans la ville de Sok Trang. Il y a 2h30 de bateau, le vent est en train de se lever là, un truc de ouf, j'espère que le bateau va pas être annulé. Il y a 2h30 de bateau, donc Condao Sok Trang, j'ai payé 363 000 dong, ça fait une quinzaine d'euros. Et puis oui, c'est ça que je voulais vous dire, il y a deux options pour venir à Condao, soit en avion. Alors moi je voulais faire le bateau à l'aller et au retour, je voulais partir de Vung Tao, c'est une ville qui est à 1h, 1h30 de Saigon, et c'est une ville que je voulais aussi visiter. Sauf que je ne sais pas pourquoi là, pendant les jours précédents, il n'y avait pas de bateau qui faisait Vung Tao, Condao, c'est pour ça que j'y suis pas allé et que je suis venu en avion. L'avion, j'ai payé 54 euros pour faire donc Ho Chi Minh, Condao, et c'est pour ça aussi que je repars. Oh, ready? Ok, I'm coming. One minute. C'est la patronne de l'hôtel qui vient me chercher pour me dire que le taxi est déjà arrivé. Je l'avais commandé pour midi, je ne sais pas pourquoi il est déjà arrivé. Donc je me dépêche de terminer. J'en étais où? Mais justement, oui, c'est l'hôtel. Je vous conseille cette adresse. Franchement, hôtel très sympa. Il parle pas du tout anglais, mais on a quand même réussi à pas mal communiquer. Ils sont adorables. Hier, je dis, ouais, je dois libérer la chambre à quelle heure? Il me dit, ah, bah, y a personne, y a pas de client. Tu libères la chambre quand tu veux. Là, ce matin, je lui dis, ouais, pour aller à l'embarcadère, parce que c'est quand même assez loin du centre de la ville de Condao. Je lui dis, ouais, il me faudra un véhicule et tout. Ah, je t'appelle un véhicule qui est donc d'ailleurs arrivé pour 50 000 dong, ça fait à peu près 2 euros pour m'emmener donc à l'embarcadère. Ben voilà, c'est la surprise, je dois partir maintenant. Il est seulement 11h35, j'avais dit à midi, mais bon, peut-être qu'il y a d'autres passagers, peut-être qu'ils sont prêts à partir. Ben écoutez, on va y aller, c'est parti pour une nouvelle journée, direction Sok Trang. Okay, come on.
Xin chào. Cà phê. Uống đây hay là xách đi mang đi? Uống đây. Nè. Để đường không? 1, 2, 50, 2:30. Bến xe chẳng mang 2:30 đúng rồi. 4:30 ra có 5 giờ. Et les amis, je suis arrivé à Sokchang. Alors évidemment, je suis encore sur le trottoir, il y a pas mal de circulation. Ça a l'air d'être une ville assez animée, hein. Le peu que j'en ai vu là, depuis l'endroit où le bus m'a lâché jusqu'à l'hôtel, j'ai marché un petit peu. Il y a de la circulation, mais en même temps, il est 17h, c'est normal, c'est la fin de journée, les gens ressortent un petit peu. Alors sinon les amis, ce trajet en bateau, waouh, c'était quelque chose. C'était un trajet très très mouvementé. J'ai fait pas mal de trajets en bateau dans des eaux assez, comment dire, tumultueuses, où ça bougeait pas mal, Philippines ou en Indonésie. Là, je dois avouer que ça a bien bien secoué. Très honnêtement, j'ai serré les fesses une bonne partie du trajet. La première demi-heure quand on est parti, waouh, à droite, à gauche, debout, comme ça. Alors, j'avais des passagers à côté de moi qui, on va dire, allez, la première minute, qui ricanaient un petit peu, oh, c'est marrant et tout. Ça pas ricané longtemps, c'est moi qui vous le dis. 5 minutes après, ils étaient tous avec des sacs en plastique en train de vomir. Franchement, ça a bien secoué. Il y a un moment, j'étais juste derrière la cabine, il y a le staff qui est sorti avec un extincteur, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et je les ai vus sortir, ils avaient un visage assez tendu. J'avais envie de leur dire, mais les gars, souriez au moins pour essayer de nous rassurer, quoi, pour nous dire que tout va bien. J'ai filmé un petit peu, mais on voit pas vraiment de gros creux, hein, de grosses vagues. Je suis très content d'être arrivé sur la terre ferme. Alors en arrivant là-bas au port, et en fait il y avait un bus qui était là et qui attendait, qui venait donc à Sokchang. J'ai fait un petit repérage vite fait dans le bus, j'ai trouvé un hôtel. L'hôtel s'appelle Fukui, je crois que c'est ça, Fukui. Je paye 390 000, donc ça fait dans les 16 euros, entre 16 et 17 euros. La chambre est plutôt confortable, la chambre est grande, il y a un lit, il y a un sofa, une table. Il y a de quoi travailler, un bureau, la clim, un frigo, une grande salle de bain avec une baignoire, messieurs, dames. Il est maintenant donc un petit peu plus de 17h. Je viens de m'arrêter sur un stand, je viens d'acheter des petits gâteaux. J'avais envie de petite douceur après ce trajet mouvementé en bateau. J'ai pris un gâteau, donc le vert là c'est au pandan. L'autre je ne sais pas du tout ce que c'est, on va goûter ça probablement à base de riz. Alors ce premier petit gâteau, ça sent bon déjà. C'est pas mal. C'est assez compact, je pense que ça tient bien au corps. Je dirais plutôt du haricot mungo. On retrouve le goût et la texture, c'est un haricot proche du soja. Et puis un grand classique dans les pâtisseries qu'on peut trouver au Vietnam, mais aussi en Indonésie. On en trouve beaucoup en Indonésie, au Cambodge, en Thaïlande bien sûr. Un gâteau multi-layer, layer, multi, comment on dit layer, couche, plusieurs couches au pandan. Ça c'est un peu plus gélatineux, j'aime bien la texture. Hello! Il y a une coiffeuse juste en face qui est en train de faire un shampoing qui me dit bonjour. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que j'achète coiffeur. Ah, si je trouve un coiffeur pour cette fin de journée, ça pourrait être pas mal. Bon, pour terminer avec ces deux petites pâtisseries qui sont d'ailleurs délicieuses, j'ai payé 6 000 la pâtisserie. Ça fait 12 000 au total. 12 000, ça fait la moitié d'un euro. Ça fait 50 centimes. Thank you.
Chili, yes. I like chili. Je viens de manger un banh mi, les amis. Waouh, waouh, waouh. Il était excellent. Je suis sur le point d'en commander un deuxième. Un banh mi et okwai. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce, okwai. Déjà, quand vous arrivez sur le présentoir, vous voyez les morceaux de viande de porc accrochés justement au crochet là. Ça donne déjà très envie. Et puis, on a bien sûr dans le banh mi les habituels concombres, coriandre, carottes. Elle a bien sûr rajouté un petit peu de sauce. Le piment qui va avec. Ouais, je me suis régalé. Je ne sais pas combien il a coûté le banh mi. Je vous mettrai le prix juste là. C'est la magie de la vidéo. Je vais payer juste après. Mais ouais, c'était excellent. Ouais, très très bon banh mi. C'est une mère et sa fille qui tiennent le stand. Et sa fille, dès que j'ai eu terminé, bon, j'ai pas mis longtemps à le manger. Hein. J'ai mangé, je crois, en 2 minutes, c'était plié. Dès que j'ai eu terminé le banh mi, sa fille, elle me dit ouais, tu peux boire quelque chose. Mais ils ont rien à vendre, à boire. Hein. Ils ont juste un stand de banh mi. Et en fait, elle a été à sa moto. Elle a été chercher un gobelet qui était accroché, mais neuf, hein, rempli entièrement. En fait, c'est une boisson, j'imagine, qu'elle a acheté il y a pas très longtemps. Elle me dit ouais, tiens, je te le donne, c'est pourquoi je te l'offre. Donc, j'ai un très bon thé glacé, je crois, à la pastèque. Voilà, merci à la jeune fille et puis merci à sa maman qui a préparé le banh mi parce que je me suis régalé. C'est tout à fait normal, je suis devant la télévision. Alors, rien ne va plus les amis, le plat que j'ai mangé ce soir, c'est incontestablement l'un des meilleurs plats que j'ai mangé depuis que je suis arrivé au Vietnam. C'était excellent. J'ai mangé ce soir un bún tieu vit, tieu, je ne suis pas sûr de la prononciation, T-I-E-U avec un accent circonflexe sur le E, bún tieu vit. Alors, vit, je savais que c'était la viande de canard, bún, c'est bún, hein, vermicelle de riz. En fait, quand je suis arrivé en fin d'après-midi ici à Sok Chang, j'ai vu pas mal de cantines, de street food, de restaurants où il y avait écrit justement bún tieu vit, bún tieu vit, bún tieu vit. Je me suis dit, oula, j'ai l'impression que c'est la spécialité du coin, tout le monde en propose. Alors après, le banh mi que j'ai mangé qui lui était succulent. Puis ouais, la boisson qu'elle m'a offert, la fille et tout, enfin, c'était vraiment gentil de sa part. Mais ce banh mi, il était aussi très très bon. Mais j'avais quand même encore un petit peu de place après et je me suis dit voilà, c'est l'occasion ce soir, je vais goûter à ce truc, la bún tieu vit. C'était tellement bon. Alors bún tieu vit, vermicelle de riz, viande de canard avec du poivre. Tieu, c'est du poivre. Alors apparemment, c'est une vieille recette chinoise. Je ne sais pas comment c'est arrivé ici et surtout comment c'est devenu populaire ici à Sok Chang. Mais qu'est-ce que c'était bon. Vous savez, la viande de canard, c'est une viande assez, comment dire, assez dense, assez compacte. Là, c'était hyper tendre. Elle était hyper savoureuse, mais en même temps hyper tendre. J'ai jamais vu de la viande de canard aussi tendre que ça. Et puis un bon goût de poivre aussi. Enfin, voilà, je me suis régalé. Vraiment, je ne sais plus quoi vous dire, mais c'était à tomber par terre. C'était une dinguerie. J'ai payé 40 000 dong. 40 000 dong, c'est moins de 2 euros. Je crois qu'on est sur du 1,70 €. Bien entendu, ce bol de nouilles, j'aimerais, et je me dois, c'est une évidence, de le dédier au tipeur. J'aimerais remercier ce soir Eric et Mélissande. Oui, Mélissande, c'est bien à toi que je m'adresse. Faisal et Hassan et Abdelmajid Welbani. Merci beaucoup, beaucoup à vous cinq pour votre soutien. Merci pour votre générosité. Pour demain, je suis un petit peu embêté. Je ne sais pas quoi faire. Je suis complètement indécis. Il y a un autre endroit qui m'intéresse, en fait, que je pensais être plus près, mais qui est finalement à 54 km d'ici. C'est surtout ça, en fait, qui m'intéresse. Donc ce soir, est-ce que j'en ai vu assez de Sok Chang ?
Je ne sais pas, peut-être que je vais rester, peut-être que je vais couper la journée en deux demain. J'aime pas trop ça en général, mais c'est peut-être ce que je vais faire. Peut-être passer la matinée ici et puis partir sur la nouvelle destination demain midi, en début d'après-midi, je sais pas. Bon, bref, la nuit porte conseil, je vais réfléchir à tout ça. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Vietnam. Ciao, good night.